Bienvenue dans la cuisine de Marina, une autre façon de faire votre poisson bien braisé là, non? La recette est facile et rapide à faire. Vous me regardez comment c'est bien juteux là. Tout d'abord, j'aurai besoin du poivron rouge, du poivron vert, de la tomate cerise, quelques gousses d'ail, du thym. Voilà. Je vais bien laver les légumes, je vais bien couper ça, non? Comme dans la vidéo. J'aurai besoin de l'oignon, un oignon. Voilà. Je vais ajouter de l'huile de friture. Vous pouvez ajouter l'huile d'olive, comme vous voulez, hein. Je vais ajouter le bon cube tous usages du bouillon, c'est facultatif. Voilà. Je vais ajouter du thym. Les amis, je vous présente une autre façon d'assaisonner votre poisson. Vous voyez, non? Les amis, allez regarder mes anciennes vidéos. J'ai déjà posté les marinades de poisson, les marinades de viande, du poulet. Voilà, vous allez dans la barre de recherche, là, Facebook, YouTube, vous écrivez la cuisine de Marina. Vous allez tomber sur toutes mes vidéos. Ensuite, je vais enfourner durant 20 minutes à 230 degrés Celsius. Voilà le résultat. Voilà. Comme je vous ai dit les amis, il y a plusieurs marinades. Ça, c'est une autre marinade hein, que vous pouvez aussi faire et garder au congélateur ou au frigo pour assaisonner le poisson. Ça change aussi. Moi, je vais faire une sauce, vous voyez, non, avec tous ces légumes-là. Bon, là, je voulais juste mariner mon poisson. Et après, je vais mixer le tout. N'oubliez pas de liker, partager, identifier, taguer vos amis en commentaire. Mettez un pouce bleu, c'est gratuit les amis. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos là, mais vous ne likez pas. Prenez une petite pause là. Vous mettez juste un petit pouce bleu là, s'il vous plaît. Voilà, c'est très motivant de votre part. Ensuite, je vais prendre mon poisson bar. Ça vient du site internet envidafrique.fr. Je vous mets le nom là. Voilà, je vais entailler. Je vais ajouter le sel. Voilà, je vais saler le poisson. Si vous n'avez pas trop d'idées de recettes, les amis, que vous voulez réaliser dans la semaine, allez regarder mes vidéos. Je vous invite à aller sur YouTube, Facebook. Comme j'ai dit, vous allez sur la barre de recherche Facebook ou YouTube. Vous écrivez la cuisine de Marina. Vous allez tomber sur toutes mes vidéos. Vous allez dans l'onglet publication là. Vous allez scroller. Il y a énormément de recettes, les amis. Je vais assaisonner mon poisson avec les légumes que j'ai mixés là, non? Vous avez vu les légumes que j'ai mixés, tous les légumes là. Voilà. Et je vais enfourner 30 minutes à 230 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez directement frire dans de l'huile. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de four là, non? Et je vais accompagner ça avec un bon riz sauté là, non? Oh là là, je vais mettre le jus qui est resté là, le jus du poisson. Et ensuite, je vais passer à la dégustation. Les amis, dites-moi quels ingrédients vous utilisez pour vos marinades. Bon, moi, je vous ai montré plusieurs, comme j'ai dit dans mes vidéos. Vous utilisez quels ingrédients pour les marinades? Et vous aimez le poisson frit ou bien vous aimez le poisson au four ou bien au barbecue? Bon, dites-moi en commentaire aussi. Après, c'est vrai que moi, je suis plus four et aussi barbecue. Friture aussi, ça dépend. Et ensuite, je vais passer à la dégustation. Les amis, on se dit à demain pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, les amis. C'est très important. Prenez une petite pause là, non? Appuyez sur le bouton bleu là. Voilà. Et identifiez cette recette. Ça peut aider vos proches, la famille. Et on se dit à demain. Bisous, bisous. Bon appétit.